dans cette démonstration, on va aborder la fabrication de la crème mousseline pour 750 g de lait. Donc là, on est sur une mousseline parfumée au praliné. Donc la crème mousseline, c'est une crème qui est dérivée de la crème pâtissière dans laquelle on va émulsionner du beurre en fin de réalisation à froid, environ 17 degrés, et dans lequel on ajoutera notre parfum. On va faire donc une crème mousseline praliné, donc le beurre réservé à l'émulsion et le parfum. On va le mettre de côté et le maintenir à environ 17 degrés lorsque notre crème pâtissière sera faite. Donc je mets de côté mon beurre d'émulsion et mon parfum. Donc le restant de beurre, on le rajoute au départ dans le lait. Donc là, on est parti sur 750 g de lait. Ça correspond à peu près à une quantité finale pour garnir 16 à 18 pièces de pâte à choux. Puisque la crème mousseline, par exemple pralinée, on l'utilise beaucoup pour les Paris-Brest, pour les petits gâteaux, du montage, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec du sucre. Donc là, comme on est sur une mousseline pralinée, le praliné contient 50% de sucre. Donc on baisse systématiquement la recette en sucre dès qu'on ajoute du praliné dans une crème de base. Donc si je rajoute 200 g de praliné, il y a 100 g de sucre. Donc je vais retirer 100 g de sucre dans ma recette. Je vais en mettre la moitié dans mon lait, mettre en route mon induction. Je mélange un petit peu parce que le sucre, si on laisse reposer par sa densité, s'il n'a pas le temps de fondre, il tombe au fond de la casserole et ça peut brûler. Donc le restant de sucre dans mon petit cul de poule pour blanchir des œufs. Donc là, je me dépêche. Pourquoi ? Parce que les œufs, au contact du sucre, surtout la membrane vitelline, la membrane qui est autour du jaune d'œuf, a une réaction chimique au contact du sucre et ça brûle. Donc on obtient des petits grains. Donc là, je me dépêche de venir mélanger. Donc je le répète, un jaune d'œuf au contact du sucre, il faut éviter de le laisser trop longtemps. Donc là, il n'y a pas que des œufs entiers, on a rajouté des jaunes d'œufs parce que le jaune contient de la lécithine qui va me provoquer une belle émulsion lors du mélange et lors du montage final de ma crème, pour pas que ça tranche en fait. Donc là, je blanchis légèrement. Je fais attention à mon lait puisque l'induction est très rapide. Je le mets de côté. Je rajoute la poudre à crème. Donc la poudre à crème va me permettre de faire épaissir mon mélange de crème pâtissière, ainsi que les œufs d'ailleurs qui vont coaguler. Donc je mélange délicatement au départ. Je remets en route mon lait, la moitié de mon sucre et la partie du beurre réservé. Voilà. Donc là, il bout. Je vais en verser une petite partie sur mes œufs et ma poudre à crème. J'ai mis un petit cercle pour éviter de faire chauffer mon plan de travail. Et je reverse tout dans ma casserole. Ensuite, cuisson, environ une minute. Vous voyez que ça épaissit déjà. Je remets en route. Et là, on compte environ une bonne minute de cuisson pour être certain d'avoir une bonne ébullition domestique qui va correspondre à un bon point de conservation. Donc là, il faut mélanger énergiquement, c'est là où on obtient des grains si on ne se dépêche pas. Donc là, on a bien la poudre à crème qui fait son effet, les œufs qui coagulent, les blancs, les jaunes, et notre crème pâtissière donc qui est bien lisse. Là, j'y suis, j'arrête. Et là, donc, on va donc débarrasser notre crème pâtissière. Je mets mon cercle
toujours pour la contrainte thermique. Et j'étale mon film étirable assez grand. Donc le film étirable résiste à 150 degrés, donc on est large par rapport à au point critique de celui-ci. Et ensuite, je vais bien retirer ma crème pâtissière. Vous savez que l'induction, ça permet d'avoir la cuisson quand même précise, rapide, sans avoir des casseroles qui accrochent, qui culottent dans le fond. Donc là, pour avoir un refroidissement encore plus rapide, je vais étaler un petit peu ma crème. Et je viens donc recouvrir celle-ci avec mon film étirable. Donc on a pris soin de démarrer la cellule de froid qui va me permettre de refroidir rapidement ma crème pâtissière. Il faut compter environ 6-7 minutes si la cellule est froide, si elle est efficace pour amener la crème pâtissière à 4 degrés. Et l'émulsion, donc avec tout à l'heure, avec notre beurre et notre parfum, donc notamment le praliné, se fera donc à 17 degrés au batteur mélangeur au fouet. Donc avec une procédure de montage, d'abord le beurre avec le praliné et l'ajout progressif en fait de la pâtissière. Donc voilà pour la mise en place de la crème mousseline pralinée. Donc on va arriver sur la phase de l'émulsion de notre crème mousseline. Donc on récupère notre crème pâtissière qui est à 4 degrés. Et pour éviter d'avoir des grains, je vais la faire tourner au batteur, tout simplement. Un tout petit peu. Au fouet, pour la détendre. On va faire ça, allez, une petite minute. Voilà. Donc je vais la débarrasser. La plaque, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc ça sera pour réceptionner la crème pâtissière qui est déjà légèrement beurrée puisqu'on a mis un petit peu de beurre tout à l'heure pendant la cuisson. Et après on va passer à la partie émulsion. Donc là j'ai mon beurre pommade. Voilà, je l'ai mis au micro-ondes quelques secondes, il est resté un petit peu à l'air libre tout à l'heure. Donc je le mets dans la cuve de mon batteur. Que je vais monter avec ma masse pralinée. Donc on fait attention, quand le seau de praliné il est stocké depuis un certain temps, l'élément gras, c'est-à-dire l'huile du fruit oléagineux, donc du fruit sec gras, la noisette, l'amande, les noix, par exemple, remonte à la surface. Donc on a beaucoup d'huile dans la recette, et puis ça a tendance à trancher. Donc là, je vais commencer à monter, je le répète, mon beurre et mon praliné. Alors c'est le même principe qu'une mayonnaise. Si on vient apporter, si on mélange les deux produits trop rapidement, ça peut trancher. Et puis on a une crème qui ne se tient pas. Alors l'objectif c'est d'arriver à rentrer notre crème pâtissière dans notre corps gras de façon à obtenir une belle émulsion. Donc comme je le disais tout à l'heure, les jaunes d'œufs ont un effet important d'émulsion puisqu'ils contiennent de la lécithine. Voilà. Pour être sûr de nous, hop, on va, vous voyez,
un petit peu corné. La masse pralinée qui a tendance à crocher un petit peu dans le fond, c'est normal. On aurait pu aussi faire tourner un petit peu le beurre avant et puis ajouter le praliné après de façon à graisser la cuve. Voilà. Et là, je vais commencer à en mettre une petite partie. On va le faire en trois fois. Alors si je fais ça, encore une fois, c'est pour ne pas avoir de grains. Alors ça sert à rien d'avoir une vitesse excessive. Au contraire, on peut avoir des soucis techniques si on émulsionne trop vite. Donc on va rester sur une vitesse modérée, donc au fouet. Hop. Voilà, une première fois. La deuxième. On sent que la crème pâtissière qui est froide vient faire figer le beurre. Et on a notre émulsion qui apparaît. Alors si jamais vous avez une crème qui tranche, on peut arriver à récupérer en rajoutant 100 g de beurre quasiment liquide à l'intérieur et on arrive à rattraper la chose. Alors certains mettent un petit peu de xanthane aussi en émulsifiant dans la crème pâtissière et on est sûr d'avoir une belle émulsion. Donc la qualité du beurre aussi est importante. Dernière fois, on vient corner parce que il y a le praliné qui reste dans le milieu du fouet. Voilà. C'est toujours désagréable, enfin pas spécialement désagréable, mais d'avoir une crème qui n'est pas mélangée, de découvrir à l'intérieur un effet grainé qui n'est pas recherché, tout simplement. Voilà. Allez, encore un tout petit tour et ça sera largement suffisant. Voilà, donc là on est prêt à l'utiliser. Donc voilà donc notre cul de poule de réception. Donc la conservation au frigo, 3 à 4 jours si elle est. Mais je conseille évidemment de garnir le produit et de le bloquer il est amené à être conservé plus longtemps. Donc l'avantage de cette crème, c'est qu'elle peut se congeler parce qu'on a une forte concentration de beurre, de matière grasse. Donc on n'a pas cet effet grainé lors de la dégustation. Après congélation, tout simplement. Donc si vous avez une pâte à choux que vous êtes amené à faire d'avance en petit four et à bloquer, je vous conseille vivement de la garnir avec cette crème de base. Donc voilà pour la crème mousseline pralinée.